Hey, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est aussi ma première vidéo sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on va partir pour un achat. Donc ça va être un cheval du marché aux chevaux. Donc je vais acheter ce Painter's. Ça fait longtemps que je le vois et que je veux me l'acheter. Du coup, je me suis dit que ce serait une bonne vidéo. Une première vidéo, donc on va l'acheter. Du coup, il va s'appeler Nightwish. Donc la traduction exacte, ça serait souhait de nuit. Donc il est acheté, voilà. Ça fait longtemps que je le voulais, mais enfin, je voulais pas trop me dépêcher à l'acheter en fait. Bref, on va faire une reconduite. Bon, par contre, il y a quelque chose que j'aime pas trop dans mon écurie. C'est que, en fait, avant, je voyais pas l'importance d'entraîner les chevaux jusqu'à ce qu'ils soient niveau 15. Du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai clairement aucun chevaux niveau 15. Voilà, comme vous pouvez voir, hein, c'est n'importe quoi. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont me dire oui, au lieu d'acheter, genre, entraîne tes chevaux. Mais, c'est vrai, vous avez raison, j'ai pas envie. Enfin, pour l'instant, je suis en train d'entraîner Lucky Charm. Donc, voilà. Alors, on va aller le chercher, je prends juste les équipements. Hop. Mon inventaire est plein. C'est horrible. Je déteste. Et après, on ira acheter une sacoche pour mettre le petit chien. Donc, je sais plus trop où c'est. Oui. Non, c'est pas grave. On ira quand même. Hop. Alors, par contre, j'ai pas vu si le cheval était symétrique dans ses taches. Ah non, ça va. Hein. Il est pas symétrique. En soi, il y a des différences. Ouais, il y a une différence quand même. Bon, je regarderai les allures après. Pour l'instant, on va aller au coiffeur. Oups. Alors. Ah, ils ont une coiffure spéciale. Ah, non, bah, ça change pas forcément. Ok. Alors. Attendez, parce que les pions, je sais pas trop. Il y a un bug. Il y a clairement un bug. Attendez. Ah bah c'est peut-être un bug en fait, je sais pas trop. Je sais pas. Mais ça c'est un bug. Ou alors c'est fait exprès. Puis ça genre. Fait ça. Sauf que. Oh, attendez, je comprends pas là. Je comprends rien. Ok, un côté court. Et quoi? Mais pourquoi ça fait ça? Je comprends pas. Oh là 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 là. Bon, pas grave. Bah écoutez, on va laisser sa coiffure comme ça. Hein. Alors. On va aller au manoir de Silverglade. Hop. Mais je pourrais clairement y aller à pied. Enfin, à cheval, mais j'ai une flamme. Donc voilà. Ok, donc on va aller dans la carrière. Donc ces animations à l'arrière. Mais il n'en a pas trop. Il n'y a pas trop d'animations, mais
Ça va en vrai. Oui, c'est mignon. Bon, par contre, j'ai pas trop jugé non plus, parce que je sais que c'est un ancien cheval. Je sais plus de quand il date. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voici mon oiseau qui chante. Le pas. Il est assez mignon. Moi j'aime bien. Donc, le trot. Mais j'adore. Alors là, en fait, on a l'impression qu'il rebondit. Puis avec sa petite tête là qui bouge. C'est super mignon. J'adore. Ah ouais. Wow, c'est trop trop mignon. Donc, le petit galop, bon, ça va, hein. Franchement, je m'attendais à pire. Le galop normal, attendez, ça c'est quoi? Je suis perdue. Voilà. Le galop normal, j'aime bien. Il met bien sa tête en avant. C'est mignon. Et le grand galop? Ah ouais. Alors, là par contre, je suis un peu. Attendez que je tourne. Je suis un peu partagée là. On voit bien qu'il est lancé quoi. Puis les oreilles couchées en arrière en mode ne m'approchez pas. Ouais, non, j'aime bien. Donc, arrêt brutal. Ok, bon, c'est normal quoi. Il y a juste le fait qu'il. Vraiment, genre, limite. Il touche par terre, là. J'ai vu que ses petits yeux qui se ferment. Non, mais limite, il touche par terre, mais bon, c'est pas grave. Le cabré. Oh, j'aime bien. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais, il est super mignon. Attendez, alors. Le saut. Au petit galop, ok. Je crois avoir vu un truc bizarre là. Ouais, regardez, il bug quand il se remet normalement. Hop, là, pouc. Vous voyez? Bon, c'est pas grave, hein, mais comme galop normal. Ah ouais, le saut il est bizarre, hein. Le saut est très très bizarre. Et le saut au grand galop. Oula, il fait un truc. Il fait un truc trop bizarre. Regardez, genre, oh, il s'élance. On a vraiment l'impression qu'il veut partir, quoi. Ces petites oreilles qui se couchent, ça, c'est mignon. Bon, après. On verra par exemple par rapport au saut du frison. Le frison génération 3. Voilà quoi. Mais ils se sont vraiment améliorés depuis. Mais voilà. Alors qu'est-ce que je voulais faire après? Ben, on va lui trouver une tenue. Parce qu'on va lui trouver une tenue. C'est tout. Alors, yes. Ah, le bug. Ok. Donc ça, c'est le fer normal. Jette. Hop. Est-ce que cette tenue lui va? Bon, ouais. Attendez, j'essaye un autre truc. Ok, bon, je vais rester comme ça.
pour que ça lui va un peu mieux. Oui, bon, allez, hop, on y va. Je sais plus comment ça s'appelle l'endroit où on doit aller. Attendez, je vais faire une reco. Donc oui, du coup, je disais que je savais plus comment ça s'appelait l'endroit où on doit aller. Ah, j'ai retrouvé ce que je voulais faire. Je voulais regarder les sabots. Attendez, il faut que je trouve un moment où il lève les pattes. Les pattes, les jambes, pardon. Je ne sais plus parler. Ok. Ouais, ça va, bah, ils sont un peu droits, quoi, mais. Comme je l'ai dit, je sais plus trop de quelle génération sont les Painters. Je sais vraiment plus. De toute façon, je l'afficherai au montage, voilà. Mais oui, c'est normal. D'ailleurs, j'attends énormément la refonte des Painters. Enfin, c'est une race que j'adore. Vraiment. Et ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Bon, bref, là du coup, on va prendre le bus pour aller aux galeries d'Aiden ou un truc comme ça. Je sais plus si ça s'appelle comme ça, c'est horrible. Ben, je sais plus, mais c'est pas grave. Oh, attendez, je viens d'avoir une idée de tenue là. Ça ne lui va pas, ça. Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, on va laisser comme ça. Non, c'est moche. C'est vraiment moche. Vous savez quoi? Hop. Bon, du coup, je crois que c'est là. Oui, voilà. Donc, c'était juste pour m'acheter ça. Voilà. Maintenant, je suis ruinée en shilling, je pense. Voilà, 66. Aïe, ça fait mal. Par contre, oh là là, mon Dieu, mes starcoins. Ah, donc, on retourne à Fort Pinta. Hop. Alors, voilà. Bah écoutez, c'est tout mignon tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. Vraiment. Faut savoir que j'avais fait une vidéo sur l'achat du frison donc de génération 3. Qui parlait aussi de la mise à jour du mercredi 13, je crois, bref. Mais l'enregistrement s'est tout simplement supprimé. Voilà. Et avec la chance que j'ai pas pu le retrouver. Donc, franchement, je suis un peu dégoûtée. Mais je me suis dit, il faudrait bien que je fasse une autre vidéo. Donc, voilà, je suis là. Et voilà quoi. Donc aujourd'hui. Ça a été une vidéo achat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai déjà dit, je crois. Non, je sais plus ce que je dis. Bref, moi je vous dis à mercredi prochain et je vous fais des gros bisous. Bye!